la fête, mais en même temps, pendant que la pyramide des glands s'enlise, la démocratie s'organise. Il y a une trentaine de mouvements citoyens qui sont là pour penser. Il faut tous les soutenir. Je pense que je suis une députée citoyenne depuis longtemps et que j'ai l'impression d'être comme une sociologue infiltrée à l'Assemblée. Et c'est pour ça que je voudrais pouvoir vous apporter un témoignage à tous ces rassemblements citoyens, toutes ces assos qui se battent sur le terrain pour faire vivre la démocratie, de ce qu'est la démocratie quand on la vit à l'intérieur de l'Assemblée nationale, tous les jours, à côté des ministres et des lobbies. De savoir comment ça fonctionne, je pense, permet davantage d'avancer et d'être opérationnel pour changer le système. Bon, on est à la mi-chemin des états généraux. Et là, c'est bien parce qu'on rentre dans le mur. Maintenant, on travaille. Là, c'est du vrai travail. Jusqu'à présent, c'était des choses qu'on avait envie de sortir. Maintenant, on a sorti des lignes directrices, on travaille. Et du coup, c'est bien parce qu'on peut affronter des idées. Et c'est ça la démocratie, justement. Là, c'est vachement bien. On a un semblant de démocratie. On est dans ce que Sarah, collaboratrice, appelle la post-démocratie. Je pense que c'est que de la façade. On a un fonctionnement démocratique de façade. Alors il y a des thèmes très différents qui ont été retenus, mais très complémentaires. Du coup, il y a des thèmes sur comment se structurer le nom d'un label, une identité. Mais il y a aussi des thèmes très pratiques, donc vis-à-vis des élections. Les mecs sont sur les présidentielles, d'autres sur les législatives. J'ai que des reproches à faire au fonctionnement de l'Assemblée. Après, le but étant de se trouver une charte commune, une identité commune. Ben, cette charte commune, elle va nous servir de base pour les prochains rendez-vous. Et du coup, à chaque fois, on ira plus loin, pour trouver toujours plus nombreux. Et bientôt, quoi. Hubert Châtaigne, c'est toi. Oui. Ah, c'est toi.